En génie mécanique, en fait, on a trois cours de mécatronique. Donc, la mécatronique, c'est quoi, en fait? C'est l'intégration d'éléments informatiques, électroniques, dans le cursus, disons, plus traditionnel du génie mécanique. Donc, ce qu'on demande aux étudiants, en fait, c'est de devenir compétents à faire la conception, par exemple, d'un système de contrôle qui prend en compte la dynamique, donc le mouvement des objets. Donc, par exemple, être capable de concevoir typiquement un frein ABS, par exemple. Donc, on a besoin de connaître la dynamique du véhicule pour bien concevoir les actionneurs, le contrôleur, les capteurs qu'on va devoir mettre en œuvre pour piloter le freinage. Donc, ça, c'est un exemple de système mécatronique qu'on rencontre maintenant très fréquemment. On expose nos étudiants donc à ces concepts de base-là. Bien sûr, on ne forme pas des étudiants de génie électrique, pas au même niveau qu'en génie électrique, mais quand même, les étudiants vont toucher, par exemple, si on regarde ici, un petit robot sur lequel les étudiants vont travailler à la session S6, donc dans un cours qui s'appelle « Projet de mécatronique ». Donc, les étudiants vont devoir concevoir la programmation d'une plateforme, d'un microcontrôleur, vont devoir concevoir le décodage à l'aide d'une puce, comment dire, de traitement logique que les étudiants vont devoir utiliser. Ils vont devoir réaliser un petit peu d'électronique analogique sur le robot, de façon à ce que le robot puisse accomplir des tâches qu'on a spécifiées. Et donc dans un certain ordre. Donc il y a des éléments, des concepts, si on veut, d'algorithmie, comme les étudiants de génie électrique le voient, mais peut-être à un niveau, disons, plus adapté à nos étudiants, à notre clientèle en génie mécanique.